Il est 13h à Magali Faraba. Sous un soleil de plomb, SAS, jeunes, femmes et enfants attendent tous le corps du général Sadiba Koulibaly. Ici, au terrain du football du district, des discussions sont en cours et les présentations de condoléances d'ISA sont reçues. Plus le temps passe, plus l'impatience grandit. Une rumeur circule dans la foule. Le cercueil qui arrive ne contiendrait pas le corps de l'ex-chargé des affaires à l'ambassade de Guinée à La Havane. À 13h50, le corbillard transportant le corps arrive chez la famille mortuaire. Il est accueilli par une foule compacte et chagrinée. Certains ne peuvent retenir leurs larmes. Le corps sans vie de celui qu'on appelle Amagali Faraba, le Baobab protecteur, vient d'arriver dans un cercueil. Dans un premier temps, le cortège funèbre entre dans le domicile privé du général Sadiba Koulibaly. Mais très vite, face à la pression de la population locale, notamment des jeunes, le corps est ressorti. Ils veulent vérifier si c'est bien celui du général Sadiba Koulibaly. Rapidement, ils prennent le dessus sur la poignée des militaires inconnus du grand public qui accompagnent le corps. Ces derniers ne posent d'ailleurs pas de résistance. Le corps de celui qui était considéré comme le numéro 2 du CNRD, avant de tomber en disgrâce, est désormais à la merci des jeunes de son village. Pendant plus d'une heure, sous le regard impuissant des SAS et des militaires, le corps du général Sadiba Koulibaly fait le tour du terrain dans les mains des jeunes. Le corps est ensuite ramené dans l'enceinte de son domicile privé pour être bien vérifié. Les jeunes ne laissent pas prise. Désormais, c'est clair. C'est bien le corps du général Sadiba Koulibaly qui est arrivé à Magali Faraba, son village natal.
Ali, il va se mettre sur la terre. Les jeunes sont satisfaits et quelques militaires tentent même de négocier avec eux pour qu'ils se calment. Après moult tractations, le calme revient et la place est maintenant aux obsèques. Mayana Betty, ou Dafani, Kamboya Kamla Malla, ou Betty, ou Mont Dafani. Barman, Agnès Lalane, Pouba Kemansali. Manima Yakana, voilà les messieurs Poubala. Quoi, Mouroumala, la même ma couille, c'est ce cola. Mouroumala, c'est ce cola. Souma, c'est ce cola. Kéalala, c'est ce cola. Amanida, fais une mayenne, ni Amantogoni. Mon père, Nassara, Alba Kabaila, Jamamemo. Kumba, Silama Bassa, Ambarema Silama Saniyamen, Ala Mala Hinala, San Malaka Molu, San Malaka Mene, Gama Seni, Faraflana Bama Seni, Sabana Bama Seni, Nana Bama Seni, Luna Bama Seni, Wana Bama Seni. C'est finalement à 17h que les rangs se forment pour la prière funèbre. Pour éviter un autre chaos, le corps reste dans la cour et la prière se tient dehors. C'est discrètement que le corps du général Sadiba Koulibaly est enterré, loin des regards de la population et de la presse. Désormais, c'est dans cette cour où il avait lui-même construit un mausolée que le général Sadiba Koulibaly repose auprès de ses deux défunts parents. Le baba protecteur de Magali Faraba, l'enfant prodige de Diala Koro, regagne sa dernière demeure en l'absence des membres du gouvernement, du CNRD, de la hiérarchie militaire et même du préfet de Mandiana et du sous-préfet de Diala Koro. À ton ami, il y a un peu de temps. Bon, il faut que les pompiers soient les secours. Il faut que les gens soient bon, toujours que les gens soient les gens. Mais il faut que les gens soient les gens. Il faut que les gens soient les gens. Si il faut que les gens soient les gens, il faut que les gens soient les gens. Je dis que les gens sont les gens. Mais bravo, ils sont les gens. Antente si bola du lengoro ne romi noni bi nte si kuma la mo reta ka ma ka ku men ke ni ka ne to contrat eliando ne kuma la sule to goro frabakati a mi a fo ka fo ko sele ma ke ni ta ibraba fo la ka fo ko mo ka nyefe ye ala tra la la ka te mo la nyefe.